Ouvert au public depuis le 23 juillet dernier, l'exposition Histoire, Sport et Citoyenneté est visible à la médiathèque de Dembéa. 30 posters retracent l'évolution des Jeux olympiques. Ils font état de faits marquants tels que la première participation de femmes aux épreuves ou encore la création des Jeux paralympiques. Cette exposition dégage déjà l'histoire. Elle dégage aussi des valeurs. Euh, le sport n'est pas simplement une activité qui, euh, qui fédère, qui rassemble mais elle dégage beaucoup de valeurs euh, de citoyenneté. D'où l'importance pour moi de, de mettre cette exposition euh, en ces temps euh, difficiles. L'exposition se découvre de deux façons, soit en respectant la chronologie des événements ou comme ici, dans un ordre chronologique inversé en commençant par 2024 pour remonter le temps jusqu'en 1896. Afin de ne pas perdre le fil de l'exposition, des flèches vous guideront tout le long et chaque panneau est numéroté. Une exposition ouverte aux petits comme aux grands, avec en prime des activités proposées par Thérèse. Un petit jeu de questions-réponses qui va emmener chaque enfant à travailler sur des panneaux, mais aussi le tout début de, des jeux de la préhistoire avec notre notre microfolie qui est installée aussi sur. Dans la, dans la médiathèque, et aussi une mallette de jeux à sport qui est formidable et qui est très éducatif pour, 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 pour toute personne qui souhaite bénéficier de, de cette opportunité. L'exposition s'achèvera le 26 août prochain, deux jours avant l'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024.